Et l'autre chose que je voulais dire, c'est il y a des événements indésirables graves avec ces vaccins. Mais tout le monde le dit. C'est-à-dire que ce n'est pas caché. Il y a effectivement eu des myocardites, il y a eu des péricardites, il y a eu des paralysies faciales. Et ça, on le sait. Et d'ailleurs, c'est admis par l'agence européenne, par l'agence américaine et par l'agence française. Donc personne ne dit qu'il n'y a pas d'événements indésirables. Et vous allez en trouver. Et probablement que même celles qui sont déclarées sont bien moins importantes que le nombre de cas qui existent réellement, parce qu'ils ne sont pas tous déclarés. Donc ça, c'est une réalité. Personne ne l'a jamais caché. Oui, mais on en revient à bénéfice-risque dans ces cas-là. C'est-à-dire que... Ça a quand même été un peu caché. Les décès, il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns, peut-être une dizaine dans les rapports qui sont de l'ANSM. Voilà, c'est extrêmement peu. Après, les gens vont dire ils ne sont pas tous rapportés. Et c'est vrai. Voilà. On sait qu'en pharmacovigilance, ils ne sont pas tous rapportés. Parfois, il y a peut-être un rapport de 1 à 10, voilà. De 1 à 100. Voilà. En revanche, il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre.